carnet de rando numéro 4, Gorge de l'Ardèche. Première prise, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on y faisait exactement? Alors, les deux pôles d'activité majeure tenaient à la cueillette de la lavande et à... Putain, mais il fait chier. Casse-toi, le moucheron. Alors, nous trouvons ici un spécimen de forbe. Alors, prudence, c'est une plante extrêmement toxique. Hein. C'est un anticoagulant puissant, puisque figurez-vous qu'au Moyen-Âge, on trempait les flèches dedans pour empêcher les ennemis de coaguler. Vous ne coagulerez pas. J'adore, moi aussi je coagule à mort. Alors, et agrandir donc, qu'est-ce que je fais? Oh là là, j'arrive pas! Oh là-bas, Lausanne. Et là-bas, c'est le massif de la Touffe, non? Ouais, ouais. Et puis là, il y a la coulée du Grand Bronze. Voilà. N'importe quoi, dans quoi je me suis aventuré encore? Je nique ma batterie. Alors, c'est la fin de carnet de rando. Ouais, j'en peux vraiment plus, quoi. Alors quant à l'élevage de moutons, alors les animaux étaient destinés au début à... Putain d'engin... Waouh. Qu'est-ce que c'est ça? Salut. Alors ici on trouve un spécimen de forbe, alors prudence avec cette plante. Ah mais ouais. Alors ce ne sont pas des essences rares, hein, c'est très représentatif de ce milieu végétatif. Est-ce que ça c'est un petit peu recouvert sur le secteur, il tombe des... Oh, j'ai fait de la merde. Alors, puisqu'on est au cœur de la chaînée, c'est peut-être le moment, comme on l'avait fait dans le reportage précédent avec le genévrier, de rappeler la grosse différence qu'il y a entre le chêne vert et... et ce putain de chêne blanc. C'était une découverte de ce milieu exceptionnel. Je crois que je l'ai déjà dit exceptionnel. Touche à ton cul. Sans ton doigt. Y'a du vent! Du vent! Ça suffit! T'as le nez? Tu prends le merlos, pourrais-tu arrêter de faire du bruit avec tes paquets de chips, s'il te plaît? La pointe de l'allumée, elle est juste face à la pointe percée. Alors on reprend après le col de la Colombière, vas-y. Donc la tête d'Oferrand. Ouais. On a un premier plan et ensuite derrière la pointe de l'allumée. Hé, ma sereine! Alors on reprend après le col de la Colombière. C'est quoi la différence? Alors, du chêne. Non, c'est tout. J'y arriverai jamais. Non. Alors, le chêne blanc, c'est ça c'est... Mais Doudou, regarde, il y a une différence de couleur. Ça, c'est plus clair que ça, donc ça, c'est le blanc et ça, c'est le foncé. Ouais. D'accord. Donc vert, blanc. Et c'est pas une petite, c'est des grosses différences. Bon, rectificatif, il pleut. Et comme Franck Merlos est un boulet, je vais prêter ma veste. Et je vais donc me mouiller. Là, j'ai l'impression de parler comme McCliskey. Alors, ici, E égale M6, vous avez ici un chêne blanc, blanc comme son nom l'indique, comme B comme blanc. Alors, on se retrouve de nouveau à ce point qui marque le... Alors, puisqu'on est au cœur de la chaînette, c'est le moment de rappeler la différence. Vous m'entendez? Allô? Merci. Alors, le alors de carnet d'angle. Alors...
J'allais y arriver là, bordel. Alors nous arrivons ici sur l'un des points de... comment ils appellent ça? Un poteau de contemplation. C'est nul comme terme. Non. C'est... Attendez. Alors, le chêne blanc, il est ici. On le reconnaît facilement, on l'appelle aussi le chêne pubescent, avec sa petite feuille toute dentelée, qui est très soyeuse dessous et qui est légèrement blanche. C'est vrai qu'elle est un petit peu blanche. Hein. Voilà, alors nous retrouvons ce point par lequel nous sommes passés tout à l'heure. C'est le point qui marque... Oh, arrête de dire point tout le temps, David. Voilà. Alors... Voilà, et à partir de là, on va rentrer dans le domaine des gorges de l'Ardèche. Et... Il était complètement dans mon plan de... Allez. Et alors, notre chêne blanc, nous en avons ici, il est facilement identifiable avec sa feuille dentelée, un petit peu plus claire en dessous, celui-là vous pouvez pas le rater, on l'appelle également... Il est crénelé. C'est pas crénelé. Il est crénelé, le dîner. Peut-être que... Alors, le chêne blanc, regardez-le, il est ici, c'est... Je vais plus avoir de batterie. Ah putain, mais qu'il est lourd! Mais qu'il est lourd, ce con! Excusez, j'ai oublié. Non, on arrête d'enregistrer. Oui? On coupe, excusez-nous, on a un compte à régler. On retourne à l'hôtel? Non, c'est rien. Une petite partie fine d'aider la saumure qui nous attend là. Non, c'est bien. Ouais, l'hôtel, c'est un plan à 3 en fait. C'est ici précisément que va se terminer l'émission. Et ce. C'est nul ce que je dis, c'est débile. Hein? Ok, alors donc j'ai juste à dire. Je l'ai déjà dit. Salut, à la prochaine! Trois, quatre. Dans la vie, faut pas s'en faire. À toi. Moi, je m'en fais pas. Moi, je m'en fais pas. Et toutes vos petites misères seront passagères. Passagères. Moi, je m'en fais pas.